justement une suggestion de site web. Vous savez qu'on a des... Je reçois souvent des emails, les gens me demandent comment je fais pour trouver des super maxi, tu sais, de Radiohead ou de je sais pas trop qui. Il n'y en a pas au Canada, malheureusement. Donc, il nous reste l'Internet. Il y a des magasins qui existent sur Internet. Bien sûr, il faut donner son numéro de carte de crédit. Il y a des risques. Moi, je l'ai fait à quelques reprises. Je n'ai jamais eu de trouble, mais peut-être qu'un jour, on va me retrouver avec une Cadillac de 50 000 sur ma carte de crédit. Mais bref, je voulais juste quand même vous montrer que ça existe. Premièrement, il y a le site de CDNR, qui est le premier que moi j'ai découvert. Et là, j'ai fait une recherche pour Radiohead. Je ne vois absolument nulle part. Où suis-je? Est-ce qu'on voit le site web? Oui, c'est en ordre. Ah oui, d'accord. Parfait. Donc, on continue avec donc, la recherche de Radiohead. Vous voyez qu'il y a quand même des singles en import, mais il n'y a pas que de l'import quand même. Il y a des albums en importation. Ensuite, il y a un autre site que j'aime bien, qui est celui de IMVS, qui est en Angleterre. J'ai fait une recherche pour Radiohead aussi, encore une fois. J'ai été vers les CD singles. À cette fois-là, vous voyez, il y a vraiment des vieux trucs qu'on ne trouve peut-être plus ici, comme Fake Plastic Trees, High and Dry, etc. Il y a aussi le site de CD Now, qui n'a pas l'air à vouloir à marcher. Voilà, CD World, qui est là, ils en ont vraiment sorti énormément. Donc, pouvez-vous risquer. Moi, j'ai jamais eu de problème. C'est jamais arrivé cassé à la maison.